Ah non, oui, je me suis trompé. Donc, là, mangalou, mention tout, même pipo, même sang, même bibion, ça. Obitoma. Gamme que le pipton. Mais un peu de bonheur, tout me pima ben sang, que l'endu me tchoc quand Mais même. oui. Quand même. Viens, il s'assume. Tu n'as pas besoin d'avoir tes deux jambes pour passer fièrement au milieu des uns des autres. Bon, et tu en as d'autres qui sont comme ça et qui sont. Qui m'en dit. C'est que cette personne-là ne s'estime pas elle-même. Mais quoi que tu sois, il faut t'estimer. Tu te prends tel que tu es et tu fais avec. Et tout marchera. Ouais. Parce que même les handicapés, simplement, ne sont pas intégrés non plus la plupart du temps. Passent leur temps à réclamer qu'il faut ceci, il faut cela, il faut l'aide aux handicapés, il faut. Non, assume-toi, tu es handicapé, mais fais avec. Essaye de trouver le rôle qu'on t'a donné sur cette terre, avec ce que tu es. Il n'y a pas que la couleur de la peau. Tout à fait, oui. Exactement, oui. Il n'y a pas de normalité. Ce que tu es, c'est normal. Et tu fais avec. C'est la vraie liberté. Quand tu es prisonnier d'une idée, tu es prisonnier, simplement. Si tu te dis que tu devrais être ceci ou tu devrais être cela. On m'a demandé un jour dans le cadre d'une émission quel conseil je pourrais donner aux Africains qui veulent quitter leur terre. J'ai dit que merde, je n'arrive pas à vivre ma propre vie, j'ai des conseils à donner à quelqu'un. Je dis, je ne sais pas pourquoi ils ont envie d'aller vivre en France. S'ils veulent qu'ils y aillent, on dit en bas, des mots, où nous t'emmènent que quand nous t'arrivent, où nous t'emmènent, à quel jour, où t'arrivent que quand. Bon, moi, tu me en un, bah, mais tiens, tu veux me carrer, joli, ou tiens, go, les gars. Et tout. Non, non, non. Et là, tu vas voir. Mais il faut que ça vienne de toi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne pars pas. En gros, on ne t'emmène que quand on t'arrive. Ah. On ne t'emmène que quand on t'arrive. Donc, c'est-à-dire que. Tu vois. Non, c'est pour ça que j'aime les enfants têtus. Ah Parce que tu leur dis, ne fais pas ça, ils le font toujours. Et c'est puis ça. finalement. En le faisant, il fait quelque chose d'extraordinaire. Tu dis que me pose ainsi. Mais là, une chose. Pour nous, tu poses ainsi. Ou nous, on peut même que puncher. Donc, je vous avoue, je suis maintenant si bien dur. Ou si bien bruit. J'ai parmi mes petits-enfants, le premier est passionné de pêche. Prédigue. Freddy. Il est même maintenant là, il est allé à la pêche avec une GKI, un enfant qui a grandi aussi avec moi ici, qui est parti, là, il est parti vivre en Guinée équatoriale, il chante, et il a même fait un album et tout ça, et puis il est revenu ici. D'accord. Un bac venant de ce début. À cause de sa calme et de liberté. Et il est parti avec Freddy à la pêche. Parce qu'il allait à la pêche avec une Ndjadja. Depuis, il a grandi avec ce Ah, chant. c'est ça. Et à ce moment, il a retrouvé tous les gestes qu'il avait naturellement. Mais voilà. Et cet enfant qui est passionné de pêche, je vois, à nous réfléchir. Bon, au fond, il a affilé, il m'a dit, un feu fissi, non? Un feu fissi, un feu crabe, un feu joli. Na, deux points pour faire ce jeu. Bon, et si moi je disais non, c'est trop dangereux, non, je ne veux pas que tu. Mais je l'étouffe. Ou Freddy m'a Freddy. fait ça, on a Et à peut-être fou, silure. Enfin, moi, attends encore. Enfin, silure, non, Dieu. Ah ouais? Ah ben, que t'as nettoyé un cas, mon condiment, ben, pour pas faire ce signe, Oh, c'est génial. C'est ce qu'il a en lui. Et pas de ce mot, bon, tout pas nous bas, puisque pas de chien, Non, même ça, exactement. ça veut dire. Ah, c'est vrai. Bumba Sophie Kong, ni Janjala. Ils sont différents, c'est C'est tout. ça.
Sauf si j'avais mon téléphone, il est mort, je voulais le charger 5 000 fois. Anayoun, Ah, mais il y en a. non. Où Anayoun, les le mouan pire, n'est que 16 ans, on intuitif. va. Et où les ma même quoi, on n'a qu'à y en mouan n'est que 16 ans, parce qu'on bouillonne sa mou bon, tu m'as. Hey! Tchatchou mouan n'est mais. Ou tu t'as joué simple, ou min tu m'as mais. Franchement, non, ta ma bête que me demander, mais pourquoi n'est-ce pas quoi qu'un d'un mouan n'est. Parce que vous n'avez pas de bon à ma grande, vous avez tout le monde qui a. T'as joué simple, vous avez capable de déduire. Un gars me dit dernièrement, il traverse l'Afrique à pied, en autostop, à Koundé. Mais tu vois, on voit que moi j'ai un doctorat en environnement. Donc tu as appris à l'école l'environnement. Oui, mais et avec ça tu fais quoi? À travailler dans ta société. Dans une société, tu travailles sur l'environnement. Donc, tu veux adapter l'environnement à la société ou tu veux adapter la société à l'environnement, mais la société, elle a un but. L'environnement, lui, il est là. Et finalement, mais tu oublies, mais même sur Marco, je me trouve là. Mais tu oublies, la seule façon, d'abord, il n'y a pas l'homme et un environnement. Nous sommes la nature. Et l'homme a joué un rôle dans cette nature. Il faut qu'il joue simplement son rôle. Or, l'homme, c'est écrit. L'homme doit vivre de la nature. Parce que si tu vas même sur la lune, ou n'importe où, tu vas toujours manger ce qui est sorti de cette terre. Donc, l'homme vit de la nature. Et si tu ne vis pas de la nature au quotidien, tu ne peux pas comprendre ce qui t'entoure. Ça ne peut pas s'apprendre dans les livres. Ça ne peut, tu ne peux pas passer un examen en environnement. C'est impossible. Va dans la nature, comprends. Et chaque nature est différente. Et c'est à l'homme de s'intégrer dedans, c'est pas à l'homme de transformer la nature. Sinon, tu coupes la branche où tu es assis. Mais je suis sûre qu'il n'a pas compris. Oui, justement, quand tu le dis, ça me fait penser. La dernière fois, je suis allé au ski, là, j'étais allé à la montagne. Effectivement, un moment, j'étais seul comme ça, il y avait une idée qui me passe. Parce que je me tourne, je vois l'immensité de la montagne. Je dis, mais cette montagne est là depuis Des je sais milliards pas, des d'années, milliards d'années. des Mais disons. qu'est-ce qui pousse l'homme à penser qu'il est un homme, être puissant dans la nature, vraiment? Qu'est-ce qui nous pousse à penser qu'on n'est plus que cette montagne, je vais la Que laisser cette demain. glace qui est en train de Je fondre. vais glisser dessus, je m'amuse et tout, mais je pense que c'est moi qui suis plus fort, le puissant. Oui, Mais parce comment que tu cela as peut me construit la pousser? station, parce qu'il y a les Voilà. téléphériques, parce qu'il y a Comment, le. qu'est-ce qui peut faire cette illusion? C'est une illusion, c'est tout. Alors que je vais passer et lui va rester encore là longtemps. Et non, ça rejoint justement ce que je dis, mais vraiment, l'homme, on nous a. On nous a formatés, Oui, dans c'est tout. une illusion pas possible, quoi. Et c'est l'éducation. Ouais, C'est l'éducation qui nous exactement, forme. ouais, c'est sûr, là. Tu vois, il y a un gars Chang qui arrive ici avec son équipe de tronçonneuse, tout, pour couper des arbres qui sont millénaires. Les pachis, les bois précieux, non. Bon, il y en a dans l'île. Et il venait pour couper les arbres de l'île. Et c'est quelque chose que Nchancha a défendu depuis qu'il est ici. Il a dit que personne ne touche les. Par contre, c'est notre forêt sacrée. Hein. Et on l'aime, forêt sacrée, pourquoi le quartz, C'est toujours. ça. Bon. Alors, il vient. Je lui ai dit que, mais. Akobonunata. C'est une question de compréhension. Tu as des enfants, me dit-il. Je dis donc, tes enfants te voient comme un modèle. Papa faisait quoi? Il coupait les arbres pour nous nourrir. Bon, les arbres sont bientôt finis. Quand tes enfants vont grandir, ils vont couper quel arbre? Tu coupes des bois précieux, c'est des bois millénaires, il faut 1 000 ans, 2 000 ans pour qu'un arbre comme ça soit debout. Donc il n'y en aura plus. Puisque vous tombez sur les forêts, vous coupez tout. Bon, il m'écoutait, mais je voyais que ça ne le convainc. Il n'était pas convaincu. Mais en tout cas, tu as vu, je suis blanche, non, mais je suis la femme du chef.
Et je sais que mon âme est dans ces arbres-là. Un arbre, c'est vivant. Ils vivent à côté de nous. Et nous sommes ces arbres-là. Touche ces arbres-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Jusque-là, il n'était pas convaincu. Et le matin, il se lève et il dit à un indien qu'il lui prête sa pirogue avec son équipe pour qu'il puisse que quelqu'un les fasse traverser parce que l'indien n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Et ils disent qu'on ne touche pas aux arbres de l'île. L'île fait 60 hectares, hein, c'est une grande île. Bon, on ne touche pas aux arbres de l'île. Nous allons du côté Bamoun. Bon, Jean-Jacques dit que le côté Bamoun, ce n'est pas mon problème. Ils prêtent la pirogue. Maintenant, la tronçonneuse commence à ronfler. Jean-Jacques dit que là où on coupe, ça ne peut être que dans l'île, puisque lui-même connaît tous les arbres et connaît tout comme sa poche. Il a dit que là, ils sont en train de couper dans l'île. C'était à l'époque qu'il avait encore les rastas qui lui arrivaient jusque derrière le dos. Les gens, en prenant sa pirogue, étaient sûrs que bon, ils avaient pris la pirogue. Ils ne pouvaient, à Personne ne l'époque, peut le Noun était même très plein, tout. les... Ouais. Ils ne savaient pas que Ndjandja pouvait plonger dans le Noun et nager. Il a plongé dans le Noun, il a nagé, arrivé, guidé par le bruit de la tronçonneuse, arrivé, débouché sur eux, sortant de l'eau, l'eau qui coule sur lui, les rastas, tout ça. Il s'avance simplement vers lui et dit, bon, maintenant, donne-moi le papier qui t'autorise à couper cet arbre. Rien que l'apparition de Ndjandja sortant de l'eau, C'est d'être vrai. Ah. Kankoumdia. Ah, c'est génial. Ah, bon, tu me sens que tu es Ouais, maintenant, si maintenant, vous me dites, t'as tu me là. Je vous déconseille comme une amie quand tu es là. Hey. Ah. Oh, au titre de propriété, oui, n'ayez justice, tout ça. Pour nous, une justice, non. Même là, tu ne peux pas avoir gain de cause. Mais quand tu comptes sur toi-même, et que tu réfléchis la façon de faire, et que tu y vas en t'assumant complètement. On sait que tu es l'envoyé de Dieu, non? Pour Bornison, je filme, non, mais non. Moi, C'est vrai. tu pour non, tu ne peux pas, pour faire comme il y a d'un que va abuser, alors qu'à ben, il y a un de vous, les loups, quand encore, du coup. J'en ai un autre, mais nous, on chine, il Bonjour mon père. Pour me respecter, non, je fais un homme con. Ah, bah, bon, galang, un homme que rasta. On a que bon, un peu de soleil, dans les années, il avait 20 ans, là. Ah, tu peux me venir, tu me bonjour mon père. Bonjour mon père. Beaucoup de temps, tu peux. C'est aussi un autre exemple d'intégration. Abou s'est intégré au Noun. Mais il est en France, il doit être intégré aussi de la même façon. Mais sinon, quand il est en France, même l'autre fois où il était, la dernière fois, pas celle-ci, n'est-ce pas? Il avait travaillé jusqu'à aider Sophie à finir de payer ses études. Lui qui n'a jamais fait d'études. Donc, il y a toujours un moyen de. Mais c'est en nous. Même pour les âmes. C'est en nous vraiment, parce que pour les âmes, là, comme je dis, personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il a fait. Personne par ici ne peut nager ni aller impressionner quelqu'un. Mais lui est resté ce qu'il est. Il a impressionné, c'est parti. Tu as un chocolat pour manger, c'est lundi. Magofa, manne, 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 manne.
Ah ouais, genre même Benin d'âme, je l'attends en tant que toi. Capta. Ah, tu m'as Ah, si, fun, bam, maman, c'est en décembre.